Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la création d'une nouvelle version de masque, évidemment aux normes. Cette fois-ci avec un pince-nez intégré. Vous pourrez bien sûr adapter le pince-nez à la version d'avant, qui est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Je commence par la création du patron. Évidemment, toutes les mesures seront dans la vidéo. L'outil arrondi que j'utilise s'appelle un perroquet. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez bien entendu tracer à main levée ou utiliser une boîte légèrement arrondie. Pour la réalisation de ce masque, il vous faudra deux tissus différents. Si les tissus sont neufs, il faudra les laver à l'avance car il y a un risque que ça dégorge ou que ça rétrécisse par la suite. Coupez deux morceaux de chaque. Si votre tissu est un motif, il faudra inverser le patron de sens car sinon vous allez vous retrouver avec le même modèle. Pour la réalisation de ce modèle, il faudra mettre les deux pièces avant contre avant. Puis, coudre la partie arrondie. Et faire de même pour le deuxième tissu. Par la suite, ouvrez vos deux pièces, placez-les endroit contre endroit et épinglez tout autour. Pour éviter les surépaisseurs, il vous faudra ouvrir les coutures des deux côtés. Ce sera beaucoup plus facile pour le coudre. Thank you.
après avoir cousu les deux épaisseurs, il vous suffira de le retourner. Ne faites pas comme moi. Pensez bien à enlever toutes les épingles avant. Placez correctement les deux épaisseurs l'une sur l'autre, et il vous faudra coudre les bords, le plus au bord possible d'ailleurs, du haut et du bas. Une fois cette étape terminée, il faudra retourner un petit peu le tissu entre 0,5 et 1 cm et insérer les rubans, puis coudre de nouveau, le plus au bord possible, et répéter l'opération pour le deuxième côté. Salut. Pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau des pince-nez, moi j'utilise ça. Donc, c'est ce qu'on utilise pour les sacs de congélation. Donc en général j'en prends deux. Comme ça, je le recoupe un peu, parce que là c'est un petit peu grand. Et je vais venir l'insérer ici. Comme ceci. Ça marche pareil pour les modèles appli. D'ailleurs j'ai fait un modèle appli. C'est un peu le même système, hein. Vous aurez juste à faire la même chose, l'insérer ici. Et en fait, on va faire une petite poche qui va nous permettre de le mettre à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, on pourra l'enlever et le remettre. Parce que ça, ça passe pas à la machine, ni au lavage, ça va s'abîmer. Donc je vous montre ça. C'est parti! Je coupe tout autour de ce qui va me servir à faire le pince-nez, un décalage d'un centimètre. Ça va me permettre d'avoir des valeurs de couture pour pouvoir replier le tissu correctement. Et voilà ce que ça donne.
Cette étape est la même que pour la réalisation d'un billet. Il vous suffit de replier le tissu en son milieu de chaque côté. Je pense que la vidéo est plus parlante. Puis ensuite, repliez les deux autres côtés du tissu. Environ 0,5 ou maximum 1 cm. Pensez à prendre le milieu de votre biais et à le placer sur le milieu de votre couture du masque. Il sera placé au bon endroit et ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, il vous suffira d'épingler le reste et de coudre en laissant une petite ouverture pour y passer votre pince-nez. Et voilà, ce tuto masque avec pince-nez est terminé. Il vous suffit de porter le masque et d'ajuster le pince-nez à votre nez. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Protégez-vous, prenez soin de vous. Bye!